Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Je vais faire une petite annonce. Bonjour, bonjour. Ça va, oui. Bonjour, mesdames, messieurs. Je vais faire une petite annonce rapidement. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Mesdames, messieurs, bonjour. Il est 17h50. J'ai une petite annonce à faire. Mesdames, messieurs, bonjour. J'ai une petite annonce à vous faire. 7h47. Quelle heure? 19h45. Attends, je vais regarder. C'est bon, peinture, 19h45. C'est bon. Mesdames, messieurs, bonjour. Bon, je vais faire une petite vidéo rapidement de... Il est 17h50, dans deux petites minutes, trois petites minutes, mesdames, messieurs. Je vais faire un petit direct. Un petit direct, s'il vous plaît, de 10 minutes. J'ai une annonce à faire. Messieurs, dames, bonjour, bonjour. Il est 17h51. Dans 4 minutes, je vais faire une petite annonce, s'il vous plaît. 4 petites minutes. Mesdames, messieurs, il est 17h51, dans 4 petites minutes. J'attends 4 minutes pour faire un petit direct. Dans 4 petites minutes, mesdames, messieurs, j'ai une petite annonce à vous faire. Dans 4 petites minutes, je vais faire un petit direct. Il est 17h52, dans 3 minutes, je vous fais une petite annonce, mesdames, messieurs. Là, pour l'instant, vous avez la vue du château. Voilà, vous avez la vue du château, un autre bâtiment. Voilà, il fait beau ici, il y a le paysage. Edith Bikungo, bonjour. Il fait beau, vous voyez le château, il fait beau. Voilà. Il y a de l'espace. On respire ici, le bon air. Bon, mesdames, messieurs... Bonjour Edith Bikindo. Bon, je vais être un peu bref. En fin de compte, je vais faire une bonne annonce pour vous dire que ce soir, je ferai un direct. Un direct à 20h30. Je viens de tomber sur un document. Je viens de tomber sur un document. Bonjour Edith et bon dimanche. Un document, mesdames, messieurs, qui concerne les résidents de Grigny Centre. Mesdames, messieurs, sur ce document, le maire, vice-président de Grand Paris Sud, M. Philippe Rio, vient de saisir M. Éric Jalon, préfet de l'Essonne, Boulevard de France 91 000 Évreux-Courcouronne. C'est une note qui est là, qui a été rédigée le 2 juin. Nous sommes le 6. Bonjour. Nous sommes le 6. Dans cette note, le maire est en train de demander à M. Éric Jalon, qui est préfet de l'Essonne,
le droit à la tranquillité parce que le terrain de Grigny commence maintenant à déborder. Le terrain de Grigny est en train de déborder. Les Congolais sont en train d'empêcher les autres de vivre en toute tranquillité. Ils vendent la boisson à Grigny Centre, vers les gares. Ils empêchent les autres de dormir tranquillement. Donc, le maire vient de saisir le juge et le préfet, M. Éric Jalon, pour qu'il puisse arrêter ça. Donc, la note est là. C'est une note qui a été faite le 2 juin, nous sommes le 6. Donc, je vais faire ce direct, ce soir à 20h45, pour sensibiliser ceux qui vivent à Grigny, que dans peu de temps, au terrain, il y aura une descente des policiers. Alors, il y a des Congolais qui vendent la boisson juste au centre commercial. Il y en a qui sont vers le RER. Donc, il y aura une descente. Donc, ce soir, je vais faire un direct à 20h45 pour sensibiliser les Congolais qui vendent dans le ghetto, qui sont en train d'empêcher les autres de dormir. Donc là, tout à l'heure, lorsque je vais finir, je vais mettre cette note sur ma page. Vous pouvez aller voir cette note sur ma page. Je vais mettre cette note-là sur ma page. Donc, pour ceux qui n'ont pas de papier, pour ceux qui sont en situation irrégulière, qu'ils fassent très attention cet été. Voilà, le maire vient de saisir. Le maire, je vous donne le nom du maire, vice-président du Grand Paris Sud, M. Philippe Rio, vient de saisir M. Éric Jalon, préfet de l'Essonne, pour qu'il mette fin à ce commerce illégal. Donc, ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui sont en situation irrégulière, faut savoir que le terrain de Grigny sera piégé. Et il y aura d'autres qui seront reconduits à la frontière, ceux qui n'ont pas de papier. Voilà, ce soir, je vais faire un direct par rapport à ça. Et dès que je vais finir là, je vais vous mettre la note comme ça. Vous allez la voir. Donc, ce soir, je veux que les gens de Grigny soient connectés pour que je leur dise comment ils peuvent faire. Je vais leur donner des tuyaux, comment faire pour parer à cette prochaine descente qui se fera avec la police. Donc, je vais apporter quelques éléments, comment ils peuvent se défendre. Donc, ce soir, à 20h45, il faut que Grigny, les gens de Grigny, puissent m'écouter. Je vais leur donner quelques pistes, comment ils peuvent parer à cette éventuelle descente. Donc, je vous répète, le maire, vice-président du Grand Paris Sud, M. Philippe Rio, vient de saisir M. Éric Jalon, préfet de l'Essonne, boulevard de France, 91 000 Évry-Courcouronne, pour dégager le terrain de Grigny. À ce soir, mesdames, messieurs, je vous mets la note, comme ça vous allez la voir chez moi. Merci. À ce soir. Allez voir.